السلام عليكم مازول فلاون بونجور. J'ai été contacté par plusieurs amis et relations. Tous m'ont dit des choses et d'autres sur cette émission. Et je les en remercie. Mais, m'ont-ils tous signalé avec une belle unanimité, mais, parce qu'il y a toujours un mais quand on commence à vous dire des gentillesses, mais, m'ont-ils reproché, cette émission est à sens unique, puisqu'il n'y a que des gens opposés au régime qui y sont invités et qui s'y expriment. Alors d'abord, je précise une chose. Ceux qui s'expriment habituellement dans cette émission ne sont pas contre Flen ou Fulten, mais contre la gabegie instituée en règle de gestion, la médiocrité, la médiocratie, la mafia, la mafiocratie, le désastre économique que personne ne semble voir, la corruption de masse, le pillage des richesses nationales, le siphonnage des institutions de leur substance constitutionnelle pour en faire des boutiques pour boulimiques, ou plutôt des étables emplies de bourrins qui se bousculent au râtelier. Les gens qui viennent dans nos émissions évoquent ce qui se passe dans notre pays, dans un langage limpide, qui désigne les choses par leur nom. Ils ne sont pas des militants d'une cause contre une autre, mais des citoyens qui alertent les Algériens sur la gravité des périls qui menacent leur pays, contrairement aux laudateurs du régime, passés maîtres dans l'art de noyer le poisson, dans celui du galimatia démagogique, où le mensonge trône de toute son impudeur, de toute son impudence. Ils ne craignent pas de nous dire que le président est en bonne santé, qu'il dirige le pays avec sa tête et non avec ses jambes, alors que nous savons tous qu'il est dans l'incapacité la plus totale de diriger le service d'état civil du plus petit village du pays, qu'il n'est pas capable, il n'est plus capable de réciter la table de multiplication de deux. Voilà, mes chers amis, qui me reprochaient de ne pas donner la parole à ces gens. À plus forte raison que ce n'est pas nous qui ne leur permettons pas de ne pas s'exprimer à travers nos ondes. Ce sont eux qui ont peur de venir répondre à nos questions. Parce que nous, nous n'écrivons pas nos questions sous leur dictée. Alors, ils font comme s'ils nous méprisaient trop pour s'abaisser à venir dans notre chaîne. Je parle des gens qui sont au sommet de la machinerie. Ils font leur discret, ils se la jouent secret et réservé, hautain et altier, du haut de leur morgue, seulement occupés à être efficaces, à assumer pleinement leur noble mission de grands serviteurs de l'État. Parce qu'ils ont fini par croire à leur propre bobard. Ils croient vraiment qu'ils ne nous font que du bien, en nous volant, en menant notre pays au désastre, en nous mentant, en semant la confusion et la violence chez nos voisins, pour y provoquer le chaos, parce qu'ils ont peur que le printemps de jasmin ne les visite, eux qui prospèrent dans les miasmes infâmes des caniveaux politiques. Alors, ils font tout pour transformer les printemps des peuples en hiver boueux de sang, pour nous les montrer alors dans toute leur malheureuse dégénérescence. Alors, après avoir tout fait pour aider les forces réactionnaires de nos voisins à dévoyer les belles révolutions qui ont chassé les despotes, ils sortent du bois désormais, et le geste ample, le verbe grave, ils nous montrent les ruines fumantes de la Syrie et de la Libye. Ils nous montrent les carnages d'Égypte et ils lâchent leurs chaînes, leurs journaux, leurs analystes sur commande, leurs baltagia de la plume et ceux des Andes pour nous agiter le bourourou de la syrianisation à laquelle ils ont eux-mêmes contribué. Et ils nous disent bouh, voilà ce que c'est que le printemps des peuples, regardez le résultat, prenez-en de la graine, bouh. Après tout, comparé à la Syrie, vous n'êtes pas si mal loti, ingrat que vous êtes. Alors, à vous le choix, nous ou la Syrie, nous ou la Libye,
Bouh! Voilà pourquoi ils ne viennent pas sur nos antennes. Parce qu'ils savent que face à eux, ou à l'autre bout du fil, ils n'auront pas des journalistes miauleurs, ni des comédiens dans le rôle du bourrou, qui les aideront à faire gober leurs grosses couleuvres aux multitudes, aux réchis, comme ils disent, eux. Alors donc, s'ils veulent venir pour montrer que c'est nous les malhonnêtes, les agents de ceux qui veulent faire exploser le pays, alors qu'ils viennent, j'en profite même aujourd'hui pour inviter très courtoisement Fahamatouhou, le président de la République démocratique et populaire, à nous accorder une interview. Ce sera l'occasion pour lui de se prêter à son exercice préféré, celui de l'éloquence, et de démontrer à tout le monde que nous sommes des menteurs lorsque nous affirmons qu'il n'est pas capable d'aligner trois phrases de suite sans qu'elles lui soient dictées par oreillette. Nous invitons aussi tous les présidents de partis bidons de chez bidon qui grouillent autour du régime pour se goinfrer et qui passent le temps à se bouffer le nez par la même occasion parce qu'ils veulent tous une plus grosse part de la tarte nationale. Nous invitons aussi les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour nous démontrer qu'ils ne sont pas ces comédiens de foire, des façades en trompe-l'œil, pour faire croire au monde que l'Algérie est un état de droit. Nous invitons Rachid Qsanteni, Farouk Qsanteni, le président des droits de l'omelette à la sauce régime, à venir discuter avec les familles de disparus. Nous invitons le Premier ministre, celui qui a répondu « batata » à une gentille chinoise qui lui a fait la courtoisie de lui dire en arabe « salam alaikum ». Nous l'invitons à venir nous expliquer où il a appris à déployer une telle audace, un tel culot dans le mensonge le plus effronté et de venir nous jurer ensuite sur le nom de Dieu qu'il n'est pas un menteur. N'a-t-il pas dit devant le Parlement tout récemment que la constitution algérienne interdit formellement à l'AMP d'intervenir en dehors de ses frontières? Une disposition qui n'a jamais existé dans la constitution. Un mensonge qui n'a pas été relevé par les députés. Aucun député. N'a-t-il pas affirmé que tant que Bouteflika est président, jamais l'armée n'interviendra en dehors de ses frontières? Au moment même où des unités de l'AMP étaient engagées au sol, en soutien à des frappes américaines contre des groupes armés libyens. Voilà pourquoi les barons du régime et même leur clientèle ne viennent pas à nos émissions. Parce qu'ils ne savent jouer que dans leur quartier. Il y a beaucoup d'andarom. Aujourd'hui, l'expression. Un article de Zubir Mebarki. Après la rumeur sur un projet immobilier au quartier, les sources. Saïd Bouteflika riposte. Un article que je vous recommande très fortement. Ensuite, Liberté. Un article de Salim Koudil. Face à la dégradation de la situation en Libye et au Sahel, l'ANP en état d'alerte. Ensuite, TSA. Un article de Ali Idir. Bouteflika dénonce le printemps arabe. Nous allons voir ensemble cette séquence du Premier ministre de l'Algérie qui affirme donc, comme je vous l'ai dit, devant le Parlement de la République algérienne démocratique et populaire, qu'une disposition de la Constitution interdit à l'AMP d'intervenir en dehors de ses frontières. Regardons. هذه احنا ما عندهاش وما تكونش نهائيا وللابد دونك رانا دونك بوتفليقه هنا ما تكونش غير نكونوا مهنيين نهائيا وللابد احنا الجيش تاعنا وهذا امر دستوري هذا امر دستوري وهذه عقيده وثوره احنا ما ندخلش في امور جيراننا بارا. Aujourd'hui, avec nous pour parler de ce très étrange système qu'est le pouvoir algérien, Faisal Mattaoui, journaliste, et Eskandar Debbache, militant des droits de l'homme. Pas des droits de l'omelette, des droits de l'homme.
Faisal, vous êtes souvent invité sur El Magharibia. Faisal n'est pas encore avec nous. Alors, Iskander Debbesh. Oui, je suis là. Bonjour, mon cher ami. Merci, merci d'être avec nous. Iskander, vous êtes jamais bridé pour écrire et dire les quatre vérités du régime. J'ai toujours lu vos articles. Au point où, lors de votre dernier voyage en Algérie, vous avez été arrêté par le DRS et mis au secret pendant plusieurs heures. Est-ce parce que vous êtes un ennemi de l'Algérie ? Non, je ne suis pas un ennemi. Au contraire, je suis un enfant de l'Algérie, Jamel. Oui. Je ne fais pas de politique, je défends les droits de l'homme. Je suis là pour défendre les droits de l'homme. Quand j'ai quitté l'Algérie, c'était parce qu'il y avait une situation... À cause d'une situation que je trouvais absolument particulièrement dramatique, je me suis dit non, il est plus possible de vivre dans cette situation dans ce pays. Il vaut mieux que je parte et que je dénonce. Et que je dénonce les choses. Notamment que je dénonce les crimes qui se commettaient, les crimes de masse qui se commettaient en Algérie à l'époque. Oui. Et il fallait le dénoncer. Voilà. Oui, très bien. Alors dites-nous au sujet de ces outrances absolument incroyables. Du pouvoir algérien, on est arrivé à un point hallucinant où il se passe des choses incroyables qu'on n'aurait pas cru il y a quelques années si on nous les avait annoncées. On aurait dit c'est pas possible, ça peut pas arriver. Je peux vous donner des exemples, à moins que vous vouliez nous les donner vous-même. Alors, Chofia Jamal, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez autrefois, dans les années 50 et 60, quand il y avait des criminologues qui essayaient de lire à travers les attitudes des uns et des autres ce qui se passait au Kremlin. Alors, actuellement, au niveau de l'Algérie, on essaie de comprendre ce qui se passe en analysant l'attitude des uns et des autres, à défaut, bien sûr, d'informations crédibles, parce qu'on n'a pas d'informations. En fait, on a beau parcourir la presse algérienne, on ne trouve que des choses secondaires et pas l'essentiel. Oui. Et là, on ne comprend rien parce qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a rien de cohérent. Alors, on a une partie, c'est-à-dire une partie du pouvoir, une partie des gouvernants qui exercent un pouvoir réel écrit dans les textes, écrit et défini dans les textes, comme par exemple Al-Malik Seldel, qui lui est chef du gouvernement. On sait qu'il est chef du gouvernement, chef de l'exécutif. Donc, qui exerce un pouvoir qui est réel, mais qui n'a pas la réalité du pouvoir, en fait. Ce qu'il dit quand il dit, bon, il dit des bouffonneries, mais il ne dit que ce qu'on l'a autorisé à dire. Et parallèlement à cela, il y a une nébuleuse qui exerce la réalité du pouvoir sans qu'il ne soit défini dans les textes. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, absolument. Au sujet de cette déclaration de Seldel devant le Parlement, il dit « la Constitution nous interdit à l'AMP, vous l'avez entendu ». Alors qu'on a épluché la Constitution, on a demandé à des constitutionnalistes, ça n'existe pas. Et rien ne s'est passé. Alors que dans un autre pays, ça aurait été un scandale énormissime. Absolument, oui, absolument. Mais il a dit ce qu'on lui a demandé de dire devant l'Assemblée. Mais à ce point, il invente une disposition constitutionnelle qui n'existe pas. Oui, il fait feu de tout bois, mais toujours est-il qu'il essaie d'argumenter. Sur le moment, il essaie d'argumenter. Et il fait feu de tout bois, et par méconnaissance, bien sûr, de la Constitution, il dit, voilà, il suppose que notre Constitution l'interdit. Ouais. Okay. Mais en fait, il n'a dit que ce qu'on l'a chargé de dire devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de nier totalement une intervention algérienne sur le territoire libyen, de la nier complètement et au besoin de faire appel à des supposées dispositions. Il aurait pu dire non, on n'a pas à intervenir, on n'interviendra pas. Inventer une disposition de la Constitution. Autre chose, moi j'ai vu une vidéo, une gentille chinoise, toute gentille dans un chantier, je crois, qu'il visitait, elle lui fait la courtoisie de parler dans sa langue. Elle lui dit salam alaikum. Alors, vous savez ce qu'il lui a répondu? On aurait dû la passer d'ailleurs, cette vidéo. Il la regarde pour faire rire les gens qui l'entouraient. Il lui dit salam alaikum, batata. Et les gars, ils tombent de rire. Du fou du roi. C'est le fou du roi. Mais,
Mais comme ça, ce point racisme, comme ça, il se moque des gens devant la... C'est le fou du roi. En fait, l'un n'exerce aucun pouvoir. Il n'a aucune autorité. Il est là, c'est-à-dire, pour faire de la figuration. Paradoxalement à sa fonction véritable, qui est celle de chef de l'exécutif, dans la réalité, il n'exerce pratiquement aucun pouvoir. Il n'exerce pas le pouvoir, il négocie avec le pouvoir. En fait, il négocie sa survie avec le pouvoir. Sa survie politique ou sa survie tout court avec le pouvoir. Hein, Kévesh ? C'est-à-dire, il est là, il fait rire, il est gentil, il fait de la figuration, mais rien de plus. Ouais. Et en même temps, c'est le fou du roi. Il est là pour amuser les gens qui détiennent réellement le pouvoir. C'est en tout cas, c'est un excellent amuseur public, en effet. Sauf que c'est plus tragique, comique, en fait. C'est le fou du roi. Alors, autre chose. Aujourd'hui, fort heureusement, il y a deux personnalités politiques et deux formations politiques, à la tête de deux formations politiques. Gilles Jadid et le RCD, à travers Gilles... pardon. À travers leurs présidents respectifs, qui appellent à l'application de l'article 88, parce qu'ils disent que ce monsieur est malade, que ce n'est pas possible, que d'abord il ne fallait pas qu'il passe. Aujourd'hui, avec du recul, on peut se poser la question, pourquoi l'article 88 n'a-t-il pas été appliqué? Et pourquoi maintenant il n'est pas appliqué, puisque ce monsieur... comme je l'ai dit, n'est pas en mesure de réciter la table de multiplication de 2. Je le mets au défi de la réciter. Concernant Gilles Jadid, je trouve son attitude très cohérente depuis le début, c'est-à-dire depuis le jour où il a claqué la porte à l'Assemblée nationale en disant, il a claqué la porte à la campagne électorale en disant, non, là, ça y est, c'est fini, je ne suis plus candidat. Et je crois même qu'il a aussi claqué la porte à l'Assemblée nationale, de Blair, mais... j'ai l'impression. Donc il a une attitude assez cohérente. Hein. Il s'est retiré. Qui a touché du doigt la réalité de ce qu'est la situation en Algérie. Il s'est retiré des élections présidentielles. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui a touché du doigt justement, la réalité algérienne, qui sait ce qu'est la réalité algérienne, qui a compris ce qu'il en est exactement. RCD, je reste très dubitatif sur son rôle, parce qu'on ne sait pas pour qui, est-ce qu'il roule pour lui-même, est-ce qu'il roule pour le DRS, parce qu'on l'a vu dans certaines attitudes où il a joué un peu le... Mais il a changé, je crois. Moi, personnellement, c'est un avis personnel. Je ne suis pas un fan du RCD, pas du tout. Mais il me semble que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, plutôt beaucoup de sang a coulé sous les ponts, et ça a donné à réfléchir à beaucoup de gens. Saïd Saadi lui-même qui passait sur cette émission, et le RCD d'une façon générale, je crois, et les islamistes aussi, il faut être correct. Parce que de l'autre côté aussi, il y avait des islamistes exécrables, il faut le dire. Donc tout ce beau monde, moi j'ai l'impression que... Ils se centrent un peu sur... ils ont changé. Et aujourd'hui, le RCD, il a des attitudes très courageuses, je trouve, comme celle de demander l'application de l'article 88, contrairement à d'autres partis que je ne nommerai pas, qui passaient pour être vraiment dans l'opposition, qui passaient pour être à l'avant-garde de la contestation politique et qui aujourd'hui sont quoi ? Qui ne disent mot, qui ne parlent pas de l'article 88, mais alors pas du tout. Oui, en fait, il n'y a pas que l'article 88. Donc, il y a justement l'application de l'article 88. Et puis, il va falloir se mettre autour d'une table et parler de la situation de l'État en Algérie. Qui fait quoi en Algérie ? Que se passe-t-il au niveau de l'État ? On a affaire à vous savez, actuellement, dans l'État algérien, on a affaire à deux grandes nébuleuses distinctes. Il y en a une autour de ce qui reste du président de la République. C'est-à-dire, bon, on ne sait pas exactement qui exerce la réalité du pouvoir. D'un côté, il y a Sellel qui joue le fou du roi, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, d'un autre côté, il y a Saïd Bouteflika qui, paraît-il, détient la réalité du pouvoir. Donc, il y a tout
ça, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et puis, il y a une autre nébuleuse autour du chef des forces armées, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, qui a passé les 80 ans, et qu'on ne me dit surtout pas qu'à 80 ans, il pourrait diriger une institution militaire comme l'ANP. Ouais. Ce qui est pratiquement impossible. Oui. Mais pourtant, c'est bien le cas. Enfin, on dit qu'il dirige l'ANP, mais je ne crois pas, personnellement. Alors, moi je vais vous dire. Moi, je vais vous dire, d'après des sources crédibles, on est en train de discuter à bâton rompu tous les deux. Faisal Motaoui, malheureusement, n'a pas pu être joint. Personnellement, les sources auxquelles j'ai pu accéder, sources relativement sérieuses, relativement crédibles, disent que le pouvoir, aujourd'hui, d'abord, il faut dire une chose, que le DRS a été démantelé. Il y a quelques mois, on nous aurait dit ce qui allait lui arriver, on ne l'aurait pas cru. Ça veut dire, franchement, pour avoir pu faire exploser le DRS de cette manière, c'est vraiment, j'allais dire, méritoire et salutaire. Sauf que, s'il l'avait été par souci nationaliste pour débarrasser la nation, pour débarrasser la République d'un organe qui avait main basse sur toutes les institutions, sur tous les rouages de l'État, là, on aurait vraiment salué. Mais le problème est qu'il a été démantelé pratiquement pour une question de pouvoir, parce que les gens qui voulaient prendre la totalité du pouvoir avaient besoin de le balayer. Et ils l'ont balayé, d'abord. Alors, selon ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont au cœur de la décision politique, dans le premier cercle, c'est Gaïd Salah et Saïd Bouteflika. Le président Bouteflika, lui, c'est la vitrine, c'est la façade, il ne sert à rien d'autre. Autour de Saïd Bouteflika, dans le premier cercle, il y a une clientèle. Il y a une clientèle composée généralement de nouveaux milliardaires en dollars. Autour de Gaïd Salah, il y a une clientèle aussi composée d'hommes d'affaires, de généraux et autres. Et autour des deux, toujours dans le premier cercle, une cinquantaine de généraux de très haut rang qui ont des fonctions au sein de l'armée, au sein de l'ANP, au sein du haut commandement. Et donc tout ce monde-là est dans le premier cercle avec la France, une certaine France, pas la France officielle, une certaine France, la France des réseaux, la France de certains lobbies, qui est là pour conseiller et même pour lancer des injonctions. Et tout autour, deuxième et troisième cercle, les cercles périphériques, il y a des gens qui sont complètement désorientés, qui ne savent plus où ils en sont, qui ne savent plus qui commandent. Alors qu'aujourd'hui, ce qui ne fait pas de doute, c'est que ce n'est plus le DRS qui décide. Avant, le DRS, il avait pouvoir de nomination, en fait, puisque c'était lui qui, en fin de parcours, disait oui ou non pour une nomination. Aujourd'hui, nomination ou dégommage, c'est Saïd Bouteflika et c'est Gaïd Salah. Voilà, à peu près. Pour en revenir à un point, il y a du mal, c'est-à-dire sur le rôle de la France. Moi, je crois que la France, enfin c'est mon avis personnel, je crois pas que la France ait un pouvoir réel là-dessus. Je crois que la France est en train de veiller à ses intérêts. C'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de vagues, qu'il n'y ait pas de séisme, de mécontentement populaire en Algérie. Oui. C'est-à-dire éviter toute forme de tsunami, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que la France est en train de veiller à ses intérêts et je crois qu'elle s'en tient là. Parce que j'ai entendu dire dernièrement que Laurent Fabius avait rencontré John Kerry à propos de ce qu'il avait dit, c'est-à-dire à propos du tourism warning qu'il avait lancé à l'adresse Américains. Des Américains qui voyageaient en Algérie. Oui, ou qui y vivent. Et là, il a demandé à ce que la chancellerie américaine se fasse un peu plus discrète sur ce thème et qu'elle ne fasse pas trop de vagues parce que c'était susceptible de déstabilisation. Ses propos étaient susceptibles de déstabiliser la situation. Oui, oui. Et donc, je crois que la France s'en tient un peu à un niveau, c'est-à-dire où elle cherche à se préserver contre toute forme de... C'est-à-dire qu'elle n'a pas intérêt à ce qu'un tsunami se déclenche en Algérie, à ce que l'Algérie soit déstabilisée. Et elle veille scrupuleusement à cela. Mais le problème, les choses que nous devons dire, c'est parce que c'est comme ça, c'est que Bouteflika est passé au Val-de-Grâce puis aux Invalides, que la France sait très bien où il en est, elle connaît très bien son bilan de santé, elle sait très bien
qu'il n'est pas capable d'être réélu pour un quatrième mandat. Et elle a tout fait, même auprès des médias français réputés libres, pour que ça ne se sache pas. Ils ont même essayé de le rééduquer aux Invalides pour qu'il essaye de dire 3 phrases ou 4 phrases à peu près tout seul, sans besoin d'oreillette, ce qu'il n'a pas pu faire. Donc elle est sur le tableau de bord, là, puisqu'elle a participé directement à une réélection pour un quatrième mandat complètement fasolé, complètement trafiqué, avec une participation, un boycott plutôt actif, pratiquement record depuis l'indépendance du pays, et personne n'a bougé. La France a été autorisée à survoler le ciel algérien, ce qui vraiment n'aurait jamais pu avoir lieu il y a quelques années. Personne n'a branché. On n'a pas fêté le 5 juillet 62 en Algérie. On n'a pas fêté la fête de l'indépendance de façon officielle, avec défilé comme d'habitude et tout. Mais on a fêté le 14 juillet. L'armée nationale populaire est allée défiler sous la tribune de François Hollande. Mais je précise, comme je l'ai dit au début, que c'est une certaine France. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France du peuple français. C'est une France de magouilles, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait hein, ce que vous dites. C'est-à-dire que la France, elle est en train de récupérer une de ses anciennes colonies. C'est-à-dire, elle la récupère sous une autre forme, sur la forme la plus néocoloniale qui soit. C'est-à-dire qu'ils auraient eu... Bon, ils ont eu des antécédents, il y a eu Bokassa en Afrique. Oui. C'est-à-dire, ils sont pas... Les Français n'en sont pas à la première bouffonnerie de leurs exécutants en Afrique. Absolument. Il y a déjà eu Bokassa qui a fini de la manière que l'on sait. Mais ils savent très bien que ce genre de gouvernance est généralement très, très fragile. Et elle s'accompagne d'une très forte déstabilisation. Je crois pas que ce soit là exactement leur intérêt, mais ils font avec. Oui, oui, mais je crois que la France... Il y a beaucoup de gens qui parlent de conflits larvés entre les USA et la France pour une question d'influence dans la région. Mais je crois que les rôles ont été partagés. Les États-Unis veulent bien que la France s'occupe de cette sphère à condition de préserver le Sahel. Et la France a des intérêts dans le Sahel aussi, ne l'oublions pas. C'est l'histoire de l'uranium au Niger qui lui est absolument stratégique et d'autres priorités aussi. Mais la France... gère au mieux de ses intérêts. C'est une question de raison d'État, personne ne peut le leur reprocher, même si c'est à notre détriment, souvent à notre détriment. Mais le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas de pouvoir réel avec lequel la France, je veux dire un pouvoir réel formel, ça veut dire un président de la République élu. La France est en discussion, est en négociation, est en donnant-donnant avec des gens qui sont derrière le rideau, qui sont derrière la façade Bouteflika. Et c'est là le plus grave. C'est-à-dire que bon, la France ne négocie pas en fait son pouvoir sur le Sahel et le Maghreb avec les Américains. C'est le précaré exclusif de la France. Oui. Attention, c'est le précaré de la France. C'est-à-dire que si une pénétration des USA dans cette région équivaudrait à une abdication du pouvoir de la France sur la région, une abdication totale. Mais à ce point, Iskandar, ça n'est jamais arrivé. À ce point, l'Algérie a toujours fait partie du précaré de la France. Mais à ce point de dépendance, ça devient insultant, ça devient révoltant, ça devient inacceptable, intolérable. Et preuve en est que l'Algérie a été, même depuis son indépendance, l'Algérie a été le précaré de la France. Elle a fait partie du précaré de la France. C'est qu'à un moment, dans les années 60, en pleine confrontation Est-Ouest, Giscard d'Estaing s'était déplacé en Algérie, oui, pour discuter avec Boumediene, oui, et éviter que l'Union soviétique n'installe une base navale à Mossel-Kibir. Oui, 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 effectivement. Oui. Il était devenu personnellement en Algérie pour négocier avec eux. Et là, on a eu la certitude qu'en fait, l'Algérie faisait partie du précaré. C'était une condition de son indépendance même. C'était même une condition. Parce que, vous savez, l'indépendance de l'Algérie, oui, c'était quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu 8 ans de guerre? C'est-à-dire que il y a eu deux cas dans le monde, à savoir l'Algérie et le Vietnam, où il y a eu 8 ans de guerre. Pourquoi?
le processus de décolonisation a été revu et corrigé sous le prisme de la confrontation Est-Ouest. On a accordé l'indépendance au Sud-Vietnam facilement, c'est-à-dire de la manière la plus pacifique. On a accordé l'indépendance au Maroc et à la Tunisie de la manière la plus pacifique, alors qu'au Vietnam et en Algérie, il a fallu 8 ans de guerre. Pourquoi? Parce qu'on s'est posé la question de savoir, imaginez une Algérie indépendante qui ferait partie du précaré de l'Union soviétique, du rideau de fer, et qui serait à quelques encablures, justement, du sud des pays de l'Alliance Atlantique. Oui. Et c'est pour ça que la France a jalousement veillé à ce que l'Algérie fasse partie de son précaré, et évidemment bien sûr le Maghreb et la région du Sahel, c'est-à-dire toute la partie centre-nord de l'Afrique. Skandar, je suis désolé de vous interrompre, nous avons dépassé largement le temps imparti à notre émission. Merci beaucoup Skandar, en espérant vous revoir bientôt. Nous réitérons notre invitation à Fakhama Touhou, président Bouteflika, pour une interview, s'il veut bien nous l'accorder, pour prouver à tout le monde que c'est un président normal. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis. Salam alaikum, azul, à la prochaine.